Hey guys, today I'm going to talk a little bit about some pros and cons between being monolingual and multilingual or bilingual, and answer a question that I got asked, which was, can or should I take advice on language learning from a monolingual, so from a person that only speaks one language. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler un petit peu, je vais comparer un petit peu les différences entre être monolingue et être polyglotte ou bilingue. Et puis je vais répondre à une question qu'on m'a posée, et la question c'était, est-ce que je devrais écouter à des conseils que quelqu'un de monolingue, donc quelqu'un qui parle juste une langue, m'a donné sur justement l'apprentissage d'une deuxième voire troisième langue, etc. Hi, this is Rachel DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. So one thing I can say is you probably have seen a sticker somewhere that says when your brain starts thinking in different languages, and the sticker or the t-shirt, it's actually written in several languages, because often when you're bilingual or multilingual, it's true that your brain starts thinking in different languages. So that could maybe be a con, I don't know. What do you think? Donc, en fait, c'est vrai, vous avez peut-être vu, il y a une étiquette qui circule un peu, et puis ça est aussi imprimé sur des t-shirts, où il y a écrit « Quand ton cerveau réfléchit dans plusieurs langues ». Et en fait, c'est écrit justement dans plusieurs langues pour bien montrer la confusion. Donc en fait, ça pourrait peut-être être un désavantage, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? But on the flip side, as a monolingual, it's true, if I'm going on to more of the cons, it's true that your brain can really think in one language, and so I've noticed that monolinguals, often their thoughts are a little bit more direct, and so how they express themselves tends to be sometimes more clear. So those are two advantages that I've noticed if you only speak one language. Une autre chose que j'ai remarqué, un autre avantage à être monolingue, donc à parler justement une langue, c'est que j'ai remarqué que parfois du coup, comme les pensées vont pas dans tous les sens parce qu'on réfléchit dans une seule langue, eh bien parfois la façon qu'on communique est un peu plus claire parce que justement on arrive bien à diriger toutes nos pensées dans une seule langue et pas plusieurs. I would say that those are the two advantages that I see, but I don't really see any other advantages to being monolingual. Donc pour moi, c'est vraiment les deux seuls avantages que je vois en tant que monolingue, mais vraiment, c'est les deux seuls que vraiment j'arrive à trouver, mais j'en vois pas d'autres. Being multilingual opens up so many doors. It makes you smarter. It makes your brain connect in different ways, just like math and arts and so forth does. And it makes you a more well-rounded person who can relate to more people around the world. D'être polyglotte, bilingue, polyglotte, etc., a tellement d'avantages. Déjà, mentalement, ça vous rend beaucoup plus intelligent. Ensuite, ça connecte, ça fait des connexions dans votre cerveau, tout comme l'art ou les maths ou quoi. Ça fait certaines connexions, ça connecte certaines neurones, et justement en connaissant plusieurs langues. Et puis, du coup, vous pouvez aussi parler, communiquer avec plein de gens à travers le monde, justement parce que vous êtes polyglotte. Donc c'est vraiment que des avantages. Another thing that I have noticed is that sometimes monolinguals want to give advice to people that are learning another language or that are raising kids in another language. And I want to answer questions I was asked on a recent conference that I was speaking at on raising multilingual children. Donc en fait, également quand on est monolingue, parfois les gens, ils vont essayer de donner, les monolingues vont essayer de donner des conseils à des gens qui sont bilingues ou polyglottes, que ça soit pour leur propre apprentissage ou sur le fait qu'ils élèvent des enfants justement qui sont bilingues polyglottes. Et je réponds à des questions que m'avait posées lors d'une conférence, j'étais conférencière justement où je parlais à propos de l'éducation bilingue polyglotte, et je vais répondre à des questions que j'ai répondu du coup lors de cette conférence. So, I've had monolingual parents, teachers, doctors pretty much discourage me from raising my children bilingual, which is crazy, right? Donc j'ai eu des parents, d'autres parents, des profs, des médecins qui m'ont découragé sur le fait que j'élevais mes enfants bilingues. And to me personally, I would not take advice on learning another language from a person who only speaks one language, personally. Donc pour moi personnellement, je prendrais pas trop en considération les conseils qu'une personne qui ne parle qu'une seule langue va pouvoir me donner sur le fait d'apprendre une ou plusieurs langues.
So to me, what I've seen with monolinguals is that unfortunately, as they get older, it does become a little bit harder for them to learn another language. And so it does take a little bit more effort, but if they choose to, of course they can. And I've seen 7-year-old students that were able to learn another language. Donc c'est vrai que alors qu'on grandit, qu'on évolue, que bon, on vieillit, c'est vrai qu'à c'est un peu plus difficile d'apprendre une autre langue, mais ce n'est pas du tout impossible. Il y en a plein qui réussissent, mais c'est juste un peu plus compliqué. Mais si vous le voulez, vous y arriverez. J'ai eu des élèves qui avaient plus de 70 ans qui ont réussi, donc vous le pourrez aussi. So, often when I've had monolinguals in my class, the thing that always comes up, there's two things that come up. Man, I wish I already spoke another language. And if their parents did speak another language, they resent the fact that their parents never taught them the other language. Donc en fait, ce que j'ai vu dans mes classes, mais tellement de fois, c'est que j'ai des élèves donc monolingues qui me disent « Purée, j'aurais trop voulu déjà apprendre, connaître une autre langue, je suis trop dégoûtée que je ne sais pas déjà parler une autre langue. » Et s'ils ont eu des parents qui parlaient une autre langue, ils sont dégoûtés, ils leur en veulent quasiment de leur pas avoir appris la langue que les parents savaient parler. And so, I get it that you want to conform to the country that you live in, but I don't feel like there's anything wrong with adopting a language while still keeping your own, adopting another culture while still keeping your own. Donc je comprends que quand on vit dans un pays, on veut vraiment s'adapter à la culture, on veut parler la langue couramment, etc. Mais pour moi, je vois rien de mal à pouvoir adopter une autre langue tout en conservant la nôtre, en adoptant une autre culture tout en conservant celle qu'on a déjà. So, the question I get asked is, you could take advice from monolingual on their challenges perhaps, or perhaps the fact that they're learning another language and what they've had to overcome. I could see looking at that advice, and I get that. Donc en fait, j'essaie de réfléchir et me dire, on peut prendre les conseils que quelqu'un de monolingue nous donne quand il s'agit d'apprendre une autre langue ou de voir un petit peu les challenges qu'ils ont eu à apprendre une autre langue ou justement à essayer d'apprendre une autre langue ou quoi. On the flip side, when a monolingual person is trying to tell you why you shouldn't learn another language, that doesn't really make sense. Does it to you? I want to know because in the conference I held, people were asking me that, and they wanted to know what I thought about it. And that's just my 2 cents worth, which you can either take or throw away, but that's what I believe. Et en fait, pour moi personnellement, je ne prendrais pas forcément des conseils de quelqu'un qui ne parle qu'une seule langue pour me dire comment je devrais apprendre une autre langue, personnellement. Surtout si c'est pour me décourager d'apprendre une deuxième langue, troisième langue, etc. C'est justement les questions qui revenaient souvent lors de cette conférence où j'étais conférencière, et c'était ma réponse. Donc, c'est à prendre ou à laisser, mais moi, c'est ce que je pense en tout cas. So, monolinguals definitely will have a little bit more of a challenge. However, languages are like musical instruments. The more you learn, the easier it gets. Donc, c'est vrai que les monolingues, ils vont avoir un peu plus un défi avec cela, mais les langues, c'est un peu comme les instruments de musique. Le plus de langues on apprend, le plus facile ça devient. Tout comme quand on apprend un instrument de musique, d'apprendre un autre instrument devient facile, etc., etc. Voilà, so answer the question on comparing monolinguals with bilinguals or multilinguals and advice that we should listen or shouldn't listen. Donc voilà, j'ai répondu à la question un petit peu par rapport à la comparaison de monolingue, bilingue, polyglotte et également de si on devrait écouter les conseils d'une personne monolingue par rapport à l'apprentissage d'une autre langue. Voilà, I'm always open to listening to all your questions and creating videos for you. Donc toujours ouvert à pouvoir communiquer et répondre à les questions que vous avez en créant des vidéos pour vous.